Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 13, je pense. Non? Si? Oui? Oui, l'épisode 13. Oh, l'épisode maudit. L'épisode maudit de Feed the Truck. Oui. Voilà, F5, je touque. Et on va un peu aller vous montrer, parce que hier soir, j'avançais sur certaines choses. Et la chose néanmoins la plus importante, c'est ceci. Alors, regardez, j'ai utilisé une méthode un peu brutale, mais doublement efficace, hein, qui consiste à mettre une compact machine. La compact machine, vous allez dedans, et pouf, vous avez un petit système basique de unscribber pour faire ces trois crafts-ci. Alors, j'ai utilisé la même interface pour pusher en permanence un stack de redstone dedans, ce qui veut dire qu'il y a en permanence de la redstone déjà dans mon circuit. Qui arrive, elle, par l'arrière, donc avec le brin, comme vous le voyez ici. Au-dessus, je fais venir les trois items autres, et là, je fais venir seulement du silicone. Alors, je pourrais tenter de dire que ça marche aussi avec du silicone, mais ça devient un peu plus compliqué. J'avais pas envie du tout de me prendre la tête là-dessus. Je pense pas que ce soit une priorité de se prendre la tête là-dessus pour le moment. Et donc voilà un peu le système. Alors ici pour le moment j'ai rien remis dans le bordel. Là-bas j'aurai un petit truc à vous montrer plus tard. On va bosser dessus mais dans un second temps. C'est pas en tout cas la priorité du jour. Ici ça tourne sauf que j'ai... Ah oui j'ai modifié ça pour que ici on puisse avancer sur l'aluminium. Parce que comme vous le savez... Pour Galacticraft, il y a pas mal d'aluminium à utiliser. Et donc bah, j'étais reprendre de l'aluminium que j'avais dans en fait ma quarry là que j'avais fait passer. Ce qui me permet d'avoir un petit stock d'aluminium. Il y en a plus de 1000, c'est gentil, c'est mignon. Bon, actuellement on bosse sur les abeilles. Alors désolé si de temps en temps j'ai un peu encore. Le nez embrumé ou autre, c'est parce que bah, je suis toujours un peu malade. Mais tournage, c'est tournage, quoi. À un moment, faut assumer et on avance. Et donc, ici, j'ai mes impériales et j'ai mes industrios qui sont prêtes. Alors, vous allez me dire, oui, mais Tado, ça sert à rien. Ah, bah, si, ça sert à tout. Ça sert à tout. Et justement, on va regarder ça ensemble. Donc, ici, vous connaissez cet étage-ci. Et ici, vous connaissez cet étage-là, on a vu. Pour la refinerie, vous voyez que ça avance lentement mais sûrement. Je pourrais doubler le truc hein, parce que franchement, on produit plus que ce qu'il ne faut. Alors, j'ai rajouté un petit truc, j'ai commencé à rajouter des petits trucs. C'est des productions upgrade qui on peut en mettre 8 par machin, ça fait plus 20% de production. Par contre, ça consomme un peu plus d'énergie. Bon, vous savez que moi, l'énergie, c'est pas réellement le souci pour le moment. Et donc, je les ai installés pour que ça aille un peu plus vite. Vous voyez qu'ici, j'ai pas eu le temps de finir encore. Il faudrait que je remette des painting blocks pour faire tout joli, tout mignon. Bon, donc, ce qu'on va en fait faire, c'est que ici, vous aurez dans chaque endroit un petit industriel apiari. Enfin, deux industriels apiari, une avec des Imperius d'un côté et les Industrios de l'autre. Bon, ce qu'on a comme objectif, c'est clairement d'avancer sur le craft de, mesdames et messieurs, on peut le faire peut-être, mais c'est pas gagné, hein. Ce n'est pas gagné, ce n'est pas gagné. Allez, le truc qui fait passer, qui change la météo, parce que qu'est-ce que c'est chiant. Bon, donc Royal Jelly. Regardez, avec la Royal Jelly, on peut crafter pas ceci, mais ceci, les dissipations de charge. Les dissipations charge, tout à fait. C'est exactement ça. Alors pourquoi? Par qui sont produits les zones de raie? Ah voilà. Bon, une chose à la fois. C'est bien les dissipations de charge qui vont permettre de passer ces conneries-là, non? C'est les dissipations de charge. Ok. Pour ça, il nous faut de la gunpowder et des cannes. Donc du tin. Alors, j'ai réfléchi, je pourrais faire de la gunpowder en faisant macérer des machins, des bidules, des bordels. Et puis je me suis dit, mais Tado,
réfléchir un peu plus loin que le bout de ton nez. Si tu réfléchis, tu vas te rendre compte vite fait que, en fait, avec des essences de creeper, tu peux tout produire. Et oui, c'est la vie. Et donc, regardez, mon idée à la base, c'est de se dire que, quand même, prévoir des choses pour un épisode, ça ne sert à rien. Et donc, hop, tac, pops, voilà. Là, au moins, ça me permettra de finir ce bordel-là. Oui, bah, c'est bien. Tu t'étais dit peut-être que on pourrait commencer là, mais c'est pas grave, on commencera ici. Stock, pops, on commence à arroser le botouillou. Et logiquement, elle va monter en fleurs. Alors, c'est une graine que j'ai piquée, c'est Ginta. Logiquement, c'est une 10-10. Tout simplement pour avoir de la chance et que ça aille le plus vite possible. C'est bon. Elle commence à monter en fleurs. Vous m'excuserez, j'ai le nez un peu. Encore un chouï embrouillé. Allez, les amis. Bon. Vous avez compris le principe. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous mettez dans un crafter que je n'ai bien sûr pas pris. Hop. Ah oui, mais c'était ça le problème. C'était donc ça le problème. C'est pour ça que la dernière fois, j'avais pas eu le temps de le faire. Hop. Hop. Celle-là, elle sera importante aussi. C'était donc ça le problème. Il nous fallait du silicone. Et pour le moment, le silicone, je le produis pas encore. Ça, c'est un autre problème. Ok. Stock. Allez, mon loulou. Où est-ce que t'en es? Vous voyez, là, il est en train de me produire le machin. Là, au bout. Il est pas rapide le machin. Hop, c'est bon. Hashtag. Et alors? On va améliorer. Enfin, en prendre plus parce que je sais que j'en aurai pas assez. Tout simplement. Et on descend. Un cran de trop. Donc. Oula. Ça, c'est bon. Ici, idem, même chose. Hop, et puis. À mon avis, on va le faire passer comme ça. Parce que l'idée, c'est de partir par là. Oui, mais non. Attendez. Oh, dans un premier temps, je vais le mettre là. Ça fera l'affaire. Et moi, si je fais ceci, ceci, ceci et ceci, ça me fait à chaque fois de la gunpowder. Ça, c'est très bien. Première étape. Ok. Deuxième étape, que vous voyez à peu près identique, hein. Hop, c'est de prévoir tout ça. Alors, je pourrais en fait aller plus loin par là, mais le problème c'est que en fait je suis dans le sable et que ça commence à devenir problématique le sable. Donc, je suis en train de réfléchir un peu. Ce que je vous avais dit à l'épisode précédent, qu'on allait essayer de. Passer la base, oh quel calcul quand même. Passer la base par là, et je sais pas trop comment je vais m'en sortir par rapport à ça, parce que il y a la base, il y a tout ce qui est Galactic Craft que j'aimerais bien faire sur cette île ici.
voyez, ici j'ai l'espace pour le faire sans souci. Mais il va falloir que je réfléchisse un peu. Si j'arrive à passer un sous-sol en dessous, on devrait pouvoir y arriver, hein. Si on regarde un peu là. Hop, allez, on arrête. Hop. Où est-ce qu'on débarque là? On débarque nulle part, hein. En plus, vous voyez rien. D'accord. En fait, pour que ça marche, il faudrait qu'on soit encore un cran en dessous. Donc en fait, il faudrait que ici tout descende. Je pense qu'on va faire une pente en fait. On va clairement faire une petite pente là pour descendre le machin. Enfin bon. Je suis sûr que. Attendez, hop. Si je fais ça ici. Vous voyez, on est là. Hop, je vais vous éclairer le machin. Donc, alors le problème, c'est bien sûr que il va falloir un tout petit peu s'arranger là pour passer. Hein. Ça peut passer, mais pas nécessairement des plus facilement. Mais dans l'ensemble, je pense que ça va passer. Hein. Et là, au cas où, on tourne un chouï par là. Et maintenant, on s'arrange pour remonter. Et on a réussi. Voilà. Alors, hops, pour éviter des mobs. Il y a du boulot, mais il me semble qu'il y a moyen. Et s'il y a moyen, c'est bon signe. Bon. Donc ici, idem même chose, vous voyez, on va avoir le même principe. Ensuite, on va avoir un deuxième crafter qu'on va mettre ici. Et le tout qu'on va ramener dans un carpenter. Donc ce que je vais faire, c'est que on va faire une courte ellipse le temps que moi j'avance un peu sur la gestion de la baraque et que je prévois un tout petit peu la déco, tout ça. Et on se retrouve dans un instant, juste après, à tout de suite. Heureux les amis. Bon, alors, regardons un peu. Ici, j'ai ma ferme à creeper, entre guillemets. Ici, j'ai ma ferme à tin. J'ai mis un crafter auto pour avoir du tin. Un energy smelter pour avoir pour le cuir. Ici, un deuxième crafter pour faire les cannes. Alors, par ici, on commence à descendre le câble qui amènera le tout de l'autre côté. Parce que oui, j'ai décidé que ce serait de l'autre côté. Bah, je sais pas pourquoi, mais voilà. C'est comme ça, ça va se passer là-bas, ici. Hops. Alors. Peut-être qu'on va faire... Je sais pas trop comment. Parce que c'est là que ça commence à devenir compliqué, Tite. Je vous explique, les amis. Il y a plusieurs choses à mettre en place maintenant. La première chose, et non des moindres, c'est de placer le carpenter. Alors le carpenter, si vous vous souvenez bien, ça fonctionne avec de l'eau. Hops. Et là, logiquement, il devrait se recharger tout seul, c'est très bien. Je remplis toujours mes deux seaux, histoire de toujours avoir deux seaux d'eau sur moi. Tac, et là maintenant on va aller chercher des fluides. Pof. Hop. Voilà. Pops, ça ira comme ceci. Donc là, on extrait. Et là, on insère de l'eau. C'est parfait, ça marche.
Deuxième étape, non des moindres également. Hop. C'est de passer les cannes ici. Alors, ce qui m'embête un peu, vous voyez, c'est qu'il faudrait logiquement que j'ai toujours un certain nombre de places disponibles pour le reste. Et c'est là que le bât blesse. Et ça, je sais pas trop comment faire. Je sais vraiment pas comment faire, même. Oups. Alors, ici, on va tout simplement mettre ceci. On insère. On insère. Ça, ce sera bon. Il n'y aura plus qu'à planifier le machin. Est-ce que par hasard, j'aurais du coal ici quelque part? Non, tant pis. On essaiera de récupérer une torche. Mais si je mets pas cette torche là, ça ira pas. Hops. On va régler le problème de cette façon-ci. Très efficace d'ailleurs. Hop. Maintenant, on va prendre nos abeilles. Alors, on va prendre celle-ci qui produit ça. Et celle-ci qui produit ça. Hops. On va prendre ceci. Et ceci de toute façon. J'en referai pour les autres, mais au moins comme ça, ça sera déjà défini. Alors, l'Imperial Queen, elle est ici. C'est elle qui me produit de la Royal Jelly. Tac, 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 tac. Et elle, ici. Alors, on va aller chercher le Light Upgrade. Ça sera plus pratique. Pour lui dire, travaille quand même, cocotte. Quand même cocotte, d'accord, ok, bon, elle a décidé, elles ont décidé de m'embêter, c'est logique, hein. Tout simplement parce que j'ai pas passé le bon chromosome. Alors speed, non, c'est pas celle-ci, c'est cette ligne-ci. Donc vous voyez, ignore des night flower rock et peut vivre sous terre. Stock. Donc, on va tout simplement passer ces deux trucs-là. Et alors, ici, nous, on va avoir quand même besoin d'un centrifuge. Tout simplement. Hop. Un petit centrifuge. C'est quoi ça? Et on va prendre deux chests parce que ça servira. Vous allez comprendre pourquoi. Ça servira à un moment ou l'autre, tout simplement. On n'en a pas nécessairement tout de suite besoin, mais c'est quand même bien pratique à utiliser. Voilà. Bon, alors, ici, là, on met ceci. On ouvre ça, on ouvre ça. Et ici, on met ceci. Alors, là, il faudra que je gère le problème du propolis. Qui n'est actuellement pas géré. Et vous voyez, ça pose problème. Oui. Oui, oui, oui. Stock. En fait, le propolis, il faut que j'arrive à le remonter là-haut. Tout simplement. Mais c'est pas fait. Bon, une chose à la fois. De toute façon. Alors, hop. Ici, on va tout simplement placer. Ça, c'est les impériales. Les impériales me font. C'est par quoi ça? Par quoi c'est créé? C'est par les impériales. Donc, c'est pas celle-ci, c'est les industrius de mémoire qui vont devoir passer dans la centrifugeuse. Est-ce bien ceci? C'est là que ça devient compliqué, vous le voyez. Donc, hop. Ici.
Là, on va lui demander que une partie aille d'un côté et que l'autre aille de l'autre côté. Alors, item. Tac. Que par hasard. Merde! Pourquoi j'ai besoin d'industrius alors? Tout est fait par les impériales? C'est bizarre, ça, ils ont changé le craft de ce machin. Ah non! Attends. Iodine capsule. C'est bien. Alors pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un Royal Jelly? J'ai pas besoin de la Royal Jelly en fait. Ok. Donc là je suis dans le mauvais sens. Enfin non. Ah si. Si si si. Donc ici, on va tout simplement lui dire que là, elle va envoyer en insert uniquement ceci et que le reste va pouvoir passer de l'autre côté. Alors on va le faire passer en direct. Peut-être pas la meilleure idée du siècle que j'ai eue, mais je pense que je vais le faire passer en direct. Alors ici par contre, la cocotte, tout doit passer ici, enfin presque, parce que bien sûr, ça ne peut marcher que avec ceci. Et là, on va placer notre système comme on l'avait prévu. Schlack. Pof. Vous voyez, ça, on les a. Alors, on va quand même tenter de vérifier que ça marche. Pour ce faire, on check 2 secondes. Alors, ça, on peut mettre ça là. Ça, c'est bien là. Ces deux là, ici. Et au final, si j'ai bien compris, c'est ceci. Pas de bol, ça ne marche pas. Ce qui est problématique. Vous le concevrez comme moi. Hein. J'ai toujours eu l'impression, moi, que c'était de Royal Jelly ici. Donc, non, c'est pas ça. C'est des Oneidrei. Attendez. On va faire Iodine Capsule. Minecraft. Est-ce que en faisant une recherche comme ça, j'arrive sur le wiki de Futebeu? J'arrive sur le wiki de Futebeu. Et ils me disent que c'est celui-là. D'accord. Et tu peux me faire le craft ou bien ça se passe comment? Oui, mais il y a tout ce que tu veux là, Coco. Sauf un petit détail. Et que vous êtes en train de vous dire depuis un quart d'heure, mais Tano, il n'y a pas d'énergie. Oui, bah je savais pas. Maintenant j'ai vu. Voilà. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça me l'est fait. Mais c'est pas les Onedrae qu'il me faut. C'est juste les Oney Drop. C'est juste les Oney Drop et donc dans un sens. On va casser ceci. On va casser ceci pour lui dire, et Coco, tu balances directement tout par là. Et on va faire le traitement de l'autre côté. Tout simplement. Bon. Tandis que je regarde un peu où j'en suis dans ma vidéo, je l'ai recommencé à 40, il est 51. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là. Où on se reprend dans un instant, le temps de finir tout le bordel. Ouais, je vous reprends dans 5. Enfin, moi, ça va pas prendre longtemps, mais je vous reprends tout de suite pour vous montrer le truc fini. À tout de suite. Heureux, les amis, voilà.
On y est enfin, sans doute. Alors, voici un peu le système. Donc, j'ai un peu compliqué le machin plus qu'autre chose. En faisant des canaux. Donc, ici, par exemple, hop, on va activer ça, extrait sur le brin. Le brin ne peut pêcher que là-dedans et là-dedans. Ici, ça, extrait sur le bleu. Le bleu ne peut pêcher que ici, pas de bol. C'est pas loin le bon. Ici et de l'autre côté, ici il peut pêcher. Voilà, là il peut envoyer des choses. Ici c'est pour le brin qui est extrait ici. Pof, pof, et donc vous voyez, ceci va être directement envoyé logiquement ici quelque part si tout va bien. Bon, tout ça pour dire que à quoi ça sert. C'est bien, ça, toi d'autres, on fait des trucs, mais nous, on sait pas à quoi ça sert. Eh ben, je vais vous montrer. Je me suis dit quand même que c'était mieux. Enfin, j'allais vous montrer. En fait, l'idée était bien, hein, de vous montrer. Bon, allez, hop, on va quand même vous le faire. Diamant. Allez, 3, 4. C'est l'avantage d'avoir un carpenter à disposition. C'est qu'on va tout simplement virer ce schéma-ci et mettre ce schéma-ci rapidement dedans, prendre les différentes capsules et lui dire vas-y, fais-moi ce machin-là, hein. Le reste, ça devrait aller, on devrait s'en sortir assez facilement. Heureusement, parce que bordel. Allez, mon coco, pousse un peu. Fais pas ton difficile comme ça. C'est bon. Hops. Et donc comme ça, on va pouvoir refaire rapidement le schéma intéressant pour l'autre. Je toque. Hops. Paf. Paf. Et alors, ce que vous faites toujours, c'est de remonter et de prendre de l'iron. 1, 2, 3, 4. Je tac. Et de faire ceci comme ça. Paf. Et ici, maintenant, vous avez votre rainmaker. Alors, le rainmaker, il sert à quoi? Il sert tout simplement, en cas de pluie, vous faites ça. Et on va voir la barre qui va monter. Logiquement, hein, il n'est pas rapide, hein, le mec. Et la pluie devrait s'arrêter. Bon. C'est logiquement comme ça que ça se passe. Alors, je ne sais pas si ça crée la pluie quand il y a des trucs comme ça. On serait sur un serveur personnel, je vous aurais bien fait. Allez, on va se mettre la pluie. Mais vu qu'on n'est pas sur un serveur personnel, bah, c'est un peu plus compliqué. Hop. Ah oui, ça met la pluie. Et maintenant, je la retire. Ça peut aussi mettre la pluie. Intéressant. Vous avez vu, c'est lent, mais ça marche plutôt bien. J'aime assez bien ce truc. Voilà. Bon, les amis, j'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo sur la découverte de ce truc-ci. Ah, tiens, oui, j'ai toujours, je sais pas si vous vous souvenez, c'est mes. Les abeilles que j'essaye de créer là, qui sont toutes ignobles. Alors, j'espérais qu'il y avait un moyen de le faire, mais apparemment, dans ce que j'ai vu. Bon, après ça, on se laisse, hein, c'est promis. Dans ce que j'ai entendu, il y aurait un upgrade qui permettrait de dire. Donc, c'est pas celui-là. Territory upgrade, open sky upgrade, heater upgrade, non. Steve upgrade, non. Non. Genetic stabilizer. Donc celui-là, il permettrait de dire que ça. Ça vaudrait la peine d'essayer, tiens. Que ça ne va pas changer de Botouillou. Vous avez compris le principe. Si vous l'avez pas compris, alors, bah, je vous ferai un schéma. Qu'elle ne va pas mourir, la mademoiselle, hein, et la gazelle. Et donc, ça pourrait paraître intéressant. Il faudrait tester, voir si c'est vrai. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si pour vous c'est vrai ou bien en fait. Non, Tano, tu te trompes, c'est pas du tout ça, t'as rien compris encore. Tout ça, tout ça. Bon, allez, nous, on se retrouve très très bientôt pour un autre épisode. J'essaierai quand même de faire ces panneaux-là, ça serait bien.
Ou d'ailleurs, si par hasard l'un de vous gère assez bien Computer Craft et a le code pour un code qui permettrait de lier un computer qui est lié à un truc là en dessous et un monitor, je suis intéressé. Bon, à très très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, tout ça, tout ça. Ciao, ciao, bye bye.